Espèce de fils de... Doré! Doré! C'était pas contre vous! Après tout ce qu'on a fait pour toi! Moi, je maintiens que tu dois avoir ton diplôme d'abord, et ensuite, tu fais ce que tu veux. Tu dois mettre toutes les chances de ton côté, c'est primordial. Envisager les choses à long terme. Et... Désolé d'avoir utilisé cette prise. Ah, dis pas de sottises. Si je te l'ai apprise, c'est pour que tu t'en serves. Qu'est-ce que je t'ai toujours répété? Tout, même les coups bas. Bien sûr, tout, même les coups bas. Tu sais, parfois la vie vous offre une opportunité qu'il faut savoir choper au vol. Tu peux comprendre ça, toi? Seulement, c'est pas moi qu'il faut convaincre. Oui, je suis bien conscient que c'est maman qui coince. C'est pour ça que je suis revenu. Très bien. Chérie? Ton fils est là, il a quelque chose à te dire. Je vous laisse. Tiens, les Anderson ont repeint leur volet. J'ai froid. Oh, merci. Je me l'échelle dehors. Oh, je suis super content de vous voir. Vous manquez. Oh. Pourquoi t'as fait ça? Tu t'es fait émanciper. Tu veux divorcer d'avec notre famille. Et maman, tu y as pensé? Qu'est-ce que tu crois? Elle m'a pas laissé le choix. Ow! On a fait un tas de bêtises contre maman, mais on l'a jamais laissé tomber. Et moi non plus, les gars. Je m'en vais en Alaska, c'est tout. C'est à 8000 km. Mais non, qu'est-ce que tu... 8000 km? T'es sûr de ce que tu dis? Tu parles d'une galère. Je vais mettre un ton fou à y aller. Ben, reste avec nous. Les gars... Vous devez comprendre, j'ai pas du tout fait ça pour faire du mal à qui que ce soit. Si je pars là-bas, c'est que je crois vraiment que j'ai toutes les chances de m'en sortir. Dis-le à maman. Mais je peux pas. Elle refuse de me parler. Elle est immature, c'est dingue. Et moi, je suis obligé de dormir dehors pendant ce temps, et je me les gèle. Hé, hey, ça vous pose un problème si je dors ici? T'en fais pas, c'est pas grave, c'est moi qui l'ai dégonflé. Bon, pendant que je change ta roue, on peut discuter? Maman, excuse-moi d'avoir eu recours à ça, mais il faut que tu m'accordes un peu de temps, j'ai des trucs à te dire! Maman! La radio, ça ne pas, tu sais! Quand tu vas pas rouler comme ça! Et la jambe, tu vas la bousiller! C'est rouge, maman, le feu est rouge! Je vous aime, les gars. Je vous écris dès que je suis arrivé. Un jour, quand tu reviendras ici, et que tu seras au chômage, et que tu sauras pas où dormir le soir, tu auras qu'à venir dans mon château, d'accord? Tu me réchauffes le cœur. J'ai tout essayé. Ouais, je sais. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Ouais, vaudrait mieux. Francis. Je suis là, je t'écoute. Tu n'as que ce que tu mérites. C'est ta faute, c'est le résultat de ton acharnement. Je pars en Alaska et toi, tu n'auras plus de fils. Et toutes les méchancetés que tu m'as faites, je les ai fait figurer dans mon dossier. Toutes les méchancetés que je t'ai faites, on a fait sacrifice sur sacrifice pour toi. Et toi, tu n'as fait que me poignarder. Te poignarder? Moi, j'ai des cicatrices, pas toi. 3 ans et demi dans une école militaire. On s'est privé pour que tu y ailles dans cette école. Oh, oh, et tu veux peut-être que je t'en remercie aussi. Merci, maman, pour avoir fait de ma vie un enfer. Un enfer? Et la mienne, alors? Depuis ta naissance, ça va, ça va, c'est bon. Oh, bah, t'exagères là.